C'est quand vous voulez. Donc on a dit le but. Ah, mais on peut pas commencer comme ça. Non, mais... faut commencer shtack. On a le droit de se regarder nous. Hein. D'accord. C'est nous, l'objectif, nous. Ok. Tu me regardes pas quand je parle ? Mais je regarde l'objectif, on me dit regarde l'objectif. Une histoire banale a été autoproduite, puis est sortie en salle, a rencontré son public, et il nous reste désormais une étape à atteindre qui est le coffret des Césars. C'est quoi le coffret des Césars ? Ouais. Toi tu embrayes sur c'est quoi qu'est-ce que c'est le coffret des Césars ? On fait appel à vous. Je sais. Tu dis à la marge marginale et si tu veux, moi je rebondis sur raison de plus pour nous aider à aller au bout de notre démarche. De montrer aussi aux professionnels qu'une autre façon de faire du cinéma est possible. Ah merde, on l'a oublié. Ça c'est bien. Ouais. Mais ça, tu vois, ça y est, c'est dit. On recommence tout. Une histoire banale existe dans le paysage du cinéma français 2014. D'autant plus fort que très rares sont les films qui existent de cette manière-là, à savoir autoproduites, à savoir faits uniquement sur la base de l'envie de toute l'équipe de défendre l'univers d'une cinéaste, Audrey, et surtout un sujet, quelque chose dont personne n'a envie de parler aujourd'hui, le viol. Et pour ce faire, malheureusement, il nous manque des sous. C'est pour ça qu'on a besoin de votre aide, parce que c'est un projet qui se finance d'appartenir au coffret des Césars. On a besoin de vous. Et voilà, j'ai besoin de toi, faut que tu m'aides. On a besoin de vous. Voilà. Aidez-nous, aidez-nous. J'étais avec ma belle-sœur. On va boire un coup dans un endroit où les gens dansent. On sort souvent toutes les deux. Il était dans la même soirée que moi, mais c'était un pur hasard. Bon, en même temps, quand on aime sortir à Paris, c'est fréquent de se retrouver dans les mêmes endroits. Je savais qu'il avait un faible pour moi, mais... Salut, Nathalie. Salut. Comme c'était pas réciproque, ça m'est passé au-dessus. Damien, c'est qui ? Un collègue, pourquoi ? Bah, je sais pas, il a essayé de t'appeler 5 fois depuis ce matin. Qu'est-ce qui te prend d'un coup à m'appeler comme ça tout le temps ? Je suis pas là de la semaine, va savoir ce qui peut se passer, j'en sais rien, moi. Mais on parle de quoi, là ?